Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement capital de la scène géopolitique internationale, la réunion des BRICS à Moscou, orchestrée par Vladimir Poutine. Les BRICS, alliance regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, incarnent une force économique et politique indéniable. Ensemble, ces nations représentent plus de 40% de la population mondiale et près d'un quart de l'économie globale. Mais pourquoi cette réunion à Moscou? Et pourquoi maintenant? C'est assez simple. Vladimir Poutine aspire à consolider les alliances et à intensifier la coopération entre ces puissances émergentes. Face à une hégémonie occidentale, notamment américaine, perçue comme étouffante, ces pays ambitionnent de proclamer leur indépendance et de proposer une alternative au modèle actuel. Plusieurs sujets cruciaux seront abordés lors de ce sommet. En premier lieu, l'économie. Les BRICS souhaitent réduire leur dépendance au dollar américain et renforcer leur monnaie nationale. Ils envisagent même la création d'une nouvelle monnaie commune, un projet audacieux qui pourrait révolutionner le système financier international. Deuxièmement, la coopération technologique. En unissant leurs forces, les BRICS aspirent à rivaliser avec les géants technologiques occidentaux. La Chine, avec ses prouesses en intelligence artificielle et en télécommunications, l'Inde, avec son expertise informatique, et la Russie, avec ses atouts en cybersécurité, sont particulièrement bien positionnés pour mener cette révolution. Mais ce n'est pas tout. La diplomatie constitue également un axe majeur de cette rencontre. Les BRICS ambitionnent d'accroître leur influence sur la scène internationale et de défendre leurs intérêts communs face aux décisions des grandes puissances occidentales. Ils aspirent à instaurer un monde multipolaire où chaque nation aurait sa place et sa voix. Et bien évidemment, il ne faut pas négliger les enjeux énergétiques. Avec la Russie et le Brésil en tant que grands producteurs de ressources naturelles, les BRICS possèdent un atout majeur. Ils ont la possibilité de redéfinir les règles du jeu énergétique et de proposer des alternatives durables pour l'avenir. En conclusion, cette réunion des BRICS à Moscou dépasse largement le cadre d'un simple sommet diplomatique. C'est un message puissant envoyé à l'Occident, démontrant que ces nations sont prêtes à prendre les rênes de leur destin et à redessiner les contours du futur ordre mondial. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des dernières actualités géopolitiques. À très bientôt.